exemple, pour l'illustrer avec l'histoire récente, la plus récente, on peut se demander si notre Premier ministre est réellement un asexué linguistique. On peut se demander si on va trouver une solution pour ces communes à faciliter. Ou encore si le gouvernement qui va venir va se livrer à une véritable rage taxatoire. Voilà trois belgicismes qui sont liés à notre histoire récente. Et alors évidemment, il y en a qui remontent bien plus loin dans l'histoire. Un exemple qui date du 19e siècle, Barrière Nadar. Alors vous connaissez Nadar, c'est ce photographe qui s'est payé le portrait de toute une série de personnalités de son époque. Et Nadar, en fait, avait une autre passion, le vol en ballon. Il était aérostier. Et c'est d'ailleurs lui qui a inspiré Jules Verne dans son roman Les 5 semaines en ballon. Alors la notoriété de Nadar était telle qu'un jour, il a été invité à Bruxelles, en 1864, pour faire une démonstration avec son ballon qui s'appelait Le Géant. Un vol de ballon. Et la foule est accourue en grand nombre, et à ce moment-là, l'administration communale de Bruxelles a fait placer toute une série de barricades pour contenir la foule. Les barrières Nadar étaient nées. Et il faut savoir qu'à la fin de sa vie, Nadar a écrit quelque part qu'il regrettait vraiment beaucoup que lui qui avait franchi tant de frontières, qui avait éliminé tant de barrières, trouve son nom associé à ce type d'objet.